c'est une question qui est très compliquée de balayer comme ça un siècle et demi de, c'est ce que je fais dans mon livre hein, d'enseignement de l'histoire, c'est très compliqué. Il faudrait voir les programmes, il faudrait voir les manuels, il faudrait voir les pratiques. Donc là, on n'a pas le temps de le faire. Mais grosso modo, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le débat sur le retour du récit national est de plus en plus vif. Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il pousse à la porte. Voilà. Ce serait faux de dire qu'on enseigne encore le récit national. Hein. Ce serait une contre-vérité. Ce n'est pas vrai. Évidemment, il y a encore quelques bribes à l'école primaire essentiellement, mais les programmes de collège et de lycée ne sont plus des programmes de récits nationaux. On a l'histoire du monde, on a l'histoire de différentes civilisations. Il y a d'autres problèmes, mais il n'y a pas celui-ci. En revanche, ce qu'on voit bien, c'est que dans les débats publics, dans les débats politiques, la question du retour du récit national et surtout de ses, on pourrait dire, de ses vertus thérapeutiques. Hein, c'est-à-dire que c'est ça qui va régler tous les problèmes de la société. Cette question-là, elle est extrêmement vive, elle nous revient de plein fouet, elle figurait quand même dans certains programmes présidentiels, ce qui n'est pas rien. Hein, c'était un article du Front National, par exemple. Hein, le retour du roman national, c'est même pas récit national, c'était roman national. Voilà, donc effectivement, on sent bien que ça pousse à la porte comme une pression importante et que du coup, ben, ça interroge évidemment à la fois la société, mais aussi les enseignants qui se demandent comment ils vont pouvoir composer avec cette pression-là, parce qu'il faut quand même ajouter que le récit national, c'est une vision extrêmement archaïque de l'écriture de l'histoire. Ça fait très longtemps, ça fait, je sais pas moi, 60, 70 ans qu'on est passé à autre chose, qu'aucun historien sérieux ne peut encore dire que le récit national, c'est exactement l'histoire de la France depuis les Gaulois. Hein. Plus personne ne dit ça. Donc là où ça met les profs en porte-à-faux, c'est est-ce qu'on va être obligé finalement d'enseigner quelque chose qui ne repose pas sur la recherche. Voilà.